Ah mais tu peux même faire des trucs avec des mini toniques. Ouais. C'est con, tu mélanges un truc qui soigne avec un truc qui nique en fait. Ouais, c'est pas un truc qui nique mais bien. C'est ça en plus. C'est con. C'est un vrai labo. Ah il va me sauter dessus. Alors. Parce que je me gourde de chaque fois je peux rond et ça quitte le menu. Alors deux mini toniques plus ensemble ça fait un maxi. Total tonique plus carrément. Ça rémunère la récupération complète de tes forces et arrêt hémorragique. Et tu mixes ça avec un autre... T'es con, t'es con. C'est con ce que tu fais. Hey ! Vaut mieux deux petits trucs. Casse-toi ! Carrément, je suis mais attends. Ah t'as vu là par exemple, elle est blessée. Ah là, voilà, on voit bien les traces. Ouais. En plus, ça saigne. Ah oui, c'est la musique. Plus t'es blessé, plus la musique elle va être stressante, ça va faire... Ah c'est genre ce que de Farcadia, tu sais. Ouais, sauf que ce que ça fait quand même, en fait, c'est selon. Enfin voilà ça. Bon, bah c'est pareil. Hein. Ouais, non, mais la musique elle devient plus rapide et plus stressante en fait. Ah, ok. Surtout plus rapide. D'ailleurs, ça me devient chiant, je vais me soigner parce que j'en ai marre. Je me disais un total tonique. Voilà. Mais t'aurais jamais dû faire ça, t'aurais dû faire deux machins toniques. Ouais, d'un gros truc. Oh putain! Ils sont deux. Ah non, tout seul, d'accord, je tire dans le vide. C'est pas grave. Ouais, quand il se fait tirer dessus, il peut pas attaquer en fait. Bah si, quand même un peu, parce qu'il fait, il est rapide. Il est mort, c'est bon. Ouais, le Phoenixien, on s'en fout. T'avais pas un autre mec avec toi au début là? Oh putain, il est rentré. Ah là, t'as la musique là. Elle change. C'est quoi, va te faire enculer? Oui, parce que la Medicaid, faut t'en servir avec le fusil en fait. Ah ouais, tu vas aller soigner là. Par contre ça les calme, je te jure. Quand même la vue c'est un peu le bordel, la caméra. Bah c'est pas très débile, la vue est pas très calculée, c'est la vraie 3D. Je me suicide quand même. Putain, il est en train de t'écraser contre les murs là. Ah ça va puissant. Putain mais il se relève. Oh putain! Non, alors comme tu vois, c'est pas un débile hein. Chaque fois que tu fais bouffer en deux. En fait, tu passes plus de temps à mélanger tes trucs. Oui, c'est ça! Je te jure, moi je passe plus de temps. J'ai buté des dinos. Hey! Ah, regarde! Là, j'ai de la maxi K1++, effet tranquillisant de longue durée au premier impact. Et si je le mixe, ça va être magnifique. Bon d'accord, je peux pas le mixer, c'est pas grave. T'as faim quoi? Non, bah je peux pas partir de toute façon. Ouais, on s'en fout. Les documents en fait, on s'en branle complet. Regarde, waouh. Ouais. Faut voir le tableau là à droite. Je suis en train de saigner, oh. Tu perds de la vie là? Ouais. Mais au bout d'un moment il cicatrise, il me semble. Tu peux pas crever, ouais. Tout seul. Oh. On a déjà utilisé 5 francs depuis tout à l'heure. Putain. Alors est-ce que je les ai les disques? On aura trop le bureau du directeur, la porte. Ouais. Voilà. C'est quoi ça? J'ai utilisé un disque code et une carte DDK en fait, pour avoir les deux. De type H en fait, et j'avais le code, le disque code H et la DDK H. Et du coup je peux ouvrir cette porte là. Mais c'est à dire quoi des DK? On sait pas, on s'en fout. C'est Donkey Kong. Non c'est... non, on s'en fout. Et donc voilà, et donc il y a une petite énigme. Et en fait c'est ce putain de simple, regarde le B il est là, donc on va enlever le B, on va enlever le C, on va enlever le F, on va enlever le G et on va enlever le I. Ça fait... merde. H, E, A, D, Ed. Voilà. Et alors, ce qui est logique, parce qu'en plus, dans quelle salle tu rentres? Tu rentres dans la salle du chef. Là, tu rentres, bah, tu vois la tête du chef, c'est ça? Ouais, voilà. Appartement du chef. Putain, elle a mal! Non. Non, je vais à la pompe faire une toilette. C'était pas la cantine ici, j'avais juste la dalle, je passais par là et... Attends, crève pas trop vite, dis-moi où est la cantine. C'est un scientifique lui? Ouais. C'est la clé de la cantine. Ah ouais, voilà. Putain, il vous a pas dit comment voir le frigo. Sol. T'as vu, on a les deux en fait, il y en a une qui dit Léo et l'autre qui dit Sol. Bon, je me soignais parce qu'en fait, j'en ai marre. Et si on assemble les deux, ça fait... Soléo. Soléo. Voilà, bravo. Bah, d'ailleurs, c'est important, on va devoir les assembler en fait. Ah bah, je m'en doutais. Voilà, tu dis que N, un DDK. Ah, alors attends. On va regarder les objets. Voir. Alors, attends, c'est Léo. Attends, c'est le premier qu'il faut. C'est ça, donc 705. Parce qu'il faut le prendre à l'envers en fait. Ah, j'ai remarqué. Ouais. Ça fait 705, 730. Ah, ouais, ça fait des chiffres. Ouais. Pas mal. Voilà, tu as le vrai. Et là en plus je vais te demander un code. Facile. Bah 705, 730. Voilà. Ok, donc c'est l'autre côté en fait. Ouais. 3, 0, 7, 0, 5. Hein? Non, c'est bien Sol et Léo. Ouais, ouais. C'est 2 en fait. Bah non. 7, 0. D'où ils sortent en 2. 7, 3. D'où ils sortent en 2, toi. Sol. Si. Non, je suis bourré là. C'est peut-être dans l'autre sens en fait. Oui, non, je sais. 7. Non, mais pas 705. 0. Non, mais 037, je voulais dire. Attends. C'est pas des 2, c'est des 5. Oh putain. C'est putain de simple. Celui-là, si on prend l'inverse, ça fait 7, 0, 5. Non, ça fait 2. Mais non. 1, 5, ouais, non, 5. 7, 0, 5. Ouais. Et le deuxième. Mais c'est peut-être 5, 0, 7 plutôt, non? Tu crois pas? On va voir, attends. Putain, c'est une énigme putain de simple et je... Ah, fait chier. Pendant ce temps, à Veracruz. Non. Alors 5. Ah putain. 507. Oui, ça en plus, tu comptes. 507. Après, c'est Sol, donc c'est. Non, celui-là. Non, ah oui, c'est. Non, c'est Sol celui-là. Bah, non, c'est Léo. Non, ah, oui, c'est Sol. Non. Léo, donc c'est à l'envers, c'est 7. 3, 0. Non, non. 0, 3, 7. Oh putain. Merde. Oh, le putain. Bordel. C'est quoi 0, 3, 7? Putain! Va te faire enculer. Putain, mais t'es sûr c'est les bons trucs au moins? Oui! C'est putain de simple! J'ai jamais bloqué là-dessus en fait. Putain, mais tu connais pas le code par cœur, bordel? Bah non! Mais c'est de la merde! On va prendre des trucs des Splinter Cell de merde là. Splinter Cell? Mais oui! Non, Silent Hill. Ouais, on s'en branle. C'est pas du tout la même chose. Niqué par tout le monde. On a mis la première. Première, c'est laquelle on sent? Oh, mais va te faire. Gâche pas qu'on la première on l'a mis à gauche. Si on l'a mis à gauche et qu'on la retourne, c'est 705. Mais non, 057. Non, 507. Ah si, ouais, t'as raison. Et là, 037. Ouais. Ça, c'est ce qu'on a fait, hein. Non, t'as mis 730 et non pas 037. Oh putain. C'est putain de simple, ouais, on a bloqué là-dessus. Merde. Quoi, mais alors ça vient du mec qui a terminé Silent Hill en hard quand même, faut le faire. Parce que t'as pas vu les trucs de Silent Hill en hard. Ah, y'a pas d'énigmes dans ça. Ah si. Si, c'est un truc putain d'énigmes, putain de difficile. Oh, mais. Non. Attends, c'est Léo ou Sol là? Sol. Sol. Putain. L, ouais, donc 7. Non, non, c'est le contraire. Merde. Sol. Et après Léo là. Ouais, c'est ça. Oh putain! Ah, on a une carte 7. Non, L, d'accord. Oh putain, on va encore faire une énigme à la con là. Non. Oh putain, on s'y attendait. Là, là, imprévu, sérieux. Là, bien sûr. Ma gueule, il y a une vitre énorme. Ouais, mais. Ah bon, il est déjà mort donc on s'en branle là. Laisse prendre la bonne viande là. Ah, il a l'air très surprise. Hein, là, ils ont trop mal traduit. Hein. Elle est putain d'affolée. Ma parole, alors que c'est oh my god. Non, mais il a que la tête. Tu tires dans les yeux là.